Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'économie et d'écologie. Il y a encore beaucoup d'idées reçues comme quoi l'écologie coûte cher, et pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes astuces pour faire des économies tout en protégeant la planète. Alors, c'est parti! Lorsque l'on parle d'économie, il y a en général deux axes sur lesquels on peut agir. Le premier, c'est tout ce qui va être comportement et habitude de vie, et on va y revenir juste après dans la vidéo. Et le deuxième, c'est tout ce qui va être achat et biens de consommation, puisque cela arrive souvent qu'il faille faire un investissement au départ pour ensuite faire des économies dans la durée. Par exemple, en ce qui concerne les produits zéro déchet, ils coûtent en général plus cher à l'achat, mais permettent ensuite d'éviter d'acheter plein de produits jetables, comme par exemple les cotons démaquillants, les cotons-tiges réutilisables ou encore les culottes de règles. Un autre exemple dans une catégorie un peu différente, ce sont les panneaux solaires, qui coûtent en général assez cher à l'achat, mais qui sont ensuite rentabilisés en quelques années et avec lesquels l'électricité ne coûte plus rien. Dans beaucoup de cas, faire attention à la planète consiste à réduire son impact et ses consommations, qu'il s'agisse de consommation d'énergie, de consommation de produits, et donc in fine de faire des économies. Je vais donc vous présenter des idées de petits gestes simples dans 6 catégories pour faire baisser son budget annuel. Si vous aimez ce type de vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rater aucun futur contenu. Et si vous aimez celle-ci, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Alors je vais commencer avec la catégorie hygiène et soins de soi. Même si c'est agréable d'avoir plein de produits et une routine super complète, eh bien en fait notre corps et notre peau n'ont besoin que de peu de choses. Je vous ai d'ailleurs présenté le détail de ma routine dans ma dernière vidéo où vous pouvez voir qu'avec seulement 7 produits, on peut avoir une routine et une hygiène complète pour moins de 150 € par an par personne avec uniquement des produits bio et bien composés. Mais en ce qui concerne les économies dans la salle de bain, il y a quelques petites astuces très faciles à mettre en place. La première, ce sont les gros formats, puisqu'en réalité, vous le savez sûrement, mais quand on achète en grand format, le prix au litre ou au kilo est nettement moins élevé que les petits formats. Et donc du coup, ça permet de faire de réelles économies. Alors il faut quand même bien faire attention et vérifier le prix au kilo des produits, car certaines marques, parfois mal intentionnées, vont avoir des prix plus élevés quand ce sont des gros formats. Mais en règle générale, sur par exemple les produits bio que j'ai pu tester, je n'ai jamais vu ça. Et en règle générale, les produits en grand format coûtent nettement moins cher. Donc que ce soit pour les gels douche, les shampoings ou encore les crèmes pour le corps, eh bien n'hésitez pas à vous tourner vers les gros formats pour faire de vraies économies. Il y a ensuite tout ce qui est produits cosmétiques solides et notamment les savons ou les shampoings solides qui sont en général plus économiques car ils durent plus longtemps. Je prends l'exemple des shampoings solides où un shampoing va en règle générale durer aussi longtemps que 3 bouteilles de shampoing. Donc d'un côté au niveau écologique c'est plus intéressant puisque ça réduit la quantité de packaging et de bouteilles, mais d'un point de vue économique eh bien, en achetant un seul shampoing solide ça équivaut à 3 bouteilles de shampoing et donc ça permet de faire des économies. Alors il faut quand même faire attention puisque en règle générale les shampoings solide coûte un peu plus cher que les shampoings liquides, donc il faut quand même faire un peu son calcul en fonction des marques qu'on choisit, mais ça reste une option assez intéressante. Enfin, dernière petite précision, mais vous n'avez pas besoin d'acheter des produits cosmétiques différents pour les femmes, les hommes ou les enfants. Ce sont en général des axes marketing avec des packagings différents, des parfums différents, mais en réalité, les formules et les compositions sont sensiblement les mêmes. Donc si vous prenez un produit qui est doux, il conviendra à tout le monde. Il faudra juste faire attention aux produits qui contiennent par exemple des huiles essentielles qui ne sont pas adaptées notamment pour les enfants. Mais si vous prenez un produit qui est écrit pour toute la famille, eh bien c'est la réalité, il conviendra à tout le monde. Je passe maintenant aux économies d'eau. Alors dans un foyer, il y a deux postes qui sont les plus gros consommateurs d'eau. Ce sont la douche et les chasses d'eau. Alors les chasses d'eau, c'est un peu compliqué d'agir dessus puisque je ne vais pas vous demander de ne plus aller aux toilettes. Même si on peut tout à fait réduire un peu la quantité d'eau utilisée en mettant par exemple quelque chose dans le réservoir d'eau pour qu'il y ait moins d'eau à chaque chasse d'eau. Ou alors en essayant d'espacer un petit peu les chasses d'eau. Mais on a un peu moins la main là-dessus. Mais par contre, en ce qui concerne la douche, on peut nettement réduire la durée de ces douches et donc la quantité d'eau utilisée. Soit on est très efficace et on rentre, on se douche et on ressort en moins de 2 minutes, ça c'est l'idéal. Soit vous êtes un petit peu plus comme moi et ça m'arrive par exemple de temps en temps de partir dans mes pensées et paf, 30 secondes se sont écoulées, 30 secondes où l'eau a coulé pour rien. Donc du coup ce que j'ai fait pour remédier à ça et pour maîtriser la durée de mes douches, c'est qu'en fait j'ai acheté un petit réveil waterproof que j'ai mis dans ma douche, donc c'est un réveil qui m'a coûté peut-être 5 € et qui me permet en fait de mettre un minuteur et de maîtriser la durée de mes douches, comme ça je ne dépasse pas les 4 à 5 minutes. Ça me permet de vraiment me rendre compte du temps passé et donc de réduire la consommation d'eau par douche.
Une autre petite astuce qui est aujourd'hui très répandue, ce sont les mitigeurs d'eau. Le mitigeur, c'est un petit accessoire que l'on va venir fixer sur son robinet, que ce soit un robinet d'évier ou de lavabo par exemple, et qui va venir rajouter de l'air dans l'eau qui coule afin d'avoir un débit plus important. Alors aujourd'hui, la majorité des maisons neuves, ou en tout cas des maisons récentes, en ont et en sont équipées, donc il est très fort probable que vous en ayez un chez vous également, ou d'ailleurs plusieurs si vous avez plusieurs robinets, mais c'est vrai que ça va vraiment faire la différence sur la quantité d'eau utilisée en fonction de la pression. Pour vous montrer, par exemple, dans notre évier, si j'ouvre l'eau à fond, eh bien, le débit est quand même assez important, il y a une vraie pression. Mais par contre, si on utilise le tuyau que l'on met pour remplir notre fontaine à eau Berquet, puisque c'est plus pratique pour nous, eh bien, on se rend compte que le débit d'eau qui coule est en réalité beaucoup moins élevé et la quantité beaucoup moindre. Donc finalement, le mitigeur permet vraiment de faire de réelles économies et vous pouvez bien imaginer que s'il n'y avait pas de mitigeur, il faudrait consommer beaucoup plus d'eau pour avoir accès à la même pression. Il y a ensuite deux produits d'électroménager qui vous feront faire des économies à la fois d'eau et d'électricité, c'est le lave-linge et le lave-vaisselle. Alors dans les deux cas, ce sont des produits qui en effet vont consommer l'énergie à la base, mais comparé à ce que vous auriez utilisé à la main, il y a quand même une vraie différence. Il faudra toutefois faire attention au programme que vous utilisez puisque plus vous allez chauffer l'eau, notamment pour la machine à laver, plus cela va consommer d'électricité. Donc c'est quand même l'idéal de favoriser les programmes à froid à 30 ou 40 degrés par exemple. Et puis en termes de durée, forcément plus le programme est long, plus il sera gourmand en énergie. Donc n'hésitez pas à favoriser les programmes éco ou rapides de voilà, votre lave-linge ou votre lave-vaisselle, ça vous permettra de faire de vraies économies. Une autre petite astuce, c'est de récupérer l'eau qui chauffe dans la douche. En ce qui nous concerne, par exemple, il faut faire couler l'eau entre 15 et 20 secondes pour commencer à avoir de l'eau chaude. Et donc, du coup, cette eau peut être perdue. Donc, nous, on a fait le choix de mettre une bassine ou un seau dans la douche afin de récupérer cette eau. Et ça représente, en règle générale, 1 à 2 litres d'eau par douche, le temps que voilà, l'eau chauffe. Et cette eau, on va la réutiliser pour soit arroser les plantes, soit, quand j'ai mes règles, je m'en sers pour rincer mes culottes de règles. Ou alors, on va tout simplement venir la verser dans notre fontaine à eau et on va du coup finir par la boire. Alors ça peut paraître dérisoire, mais si on prend chacun une douche par jour à raison de 1 ou 2 litres d'eau par douche, eh bien on peut facilement économiser 20 à 30 litres d'eau sur une semaine. Donc c'est clairement pas négligeable et il n'y a pas de petites économies, tout est bon à prendre. Et ma dernière astuce concernant l'eau, elle va principalement intéresser les personnes qui ont un jardin, mais c'est de mettre en place un récupérateur d'eau de pluie. Alors il existe aujourd'hui plein de sortes de récupérateurs d'eau, vous pouvez avoir quelque chose d'assez simple qui est au fond du jardin et qui va venir donc récupérer l'eau de pluie et vous pouvez vous en servir pour arroser le jardin, arroser vos plantes par exemple. Mais il y a également d'autres systèmes qui sont un petit peu plus poussés et où vous allez avoir une connexion, une sorte de canalisation entre le réservoir d'eau et par exemple vos toilettes, ce qui fait que toutes les chasses d'eau vont utiliser de l'eau de pluie, ce qui permet de faire de réelles économies. Je passe maintenant aux économies d'électricité, et là encore vous allez voir que de simples petits gestes peuvent faire une vraie différence. Alors tout d'abord, ce n'est pas nouveau, mais vous pouvez couper tous les appareils qui sont en veille, puisque bah, forcément un appareil en veille va quand même consommer de l'électricité. Alors je ne dis pas qu'il faut forcément tout couper tout le temps, mais par exemple la nuit, ça peut être intéressant de couper bah, tout ce qui ne tourne pas, comme par exemple les ordinateurs, l'écran, bah, la télé, l'imprimante, enfin tout ce genre de choses qui voilà, vont quand même consommer un tout petit peu d'électricité et qui ne servira à rien. Alors on peut également utiliser par exemple une multiprise et éteindre sa multiprise le soir par exemple. En ce qui me concerne, moi j'ai une multiprise dans mon bureau, ce qui fait que je l'allume quand je commence à travailler le matin et du coup ça sert à alimenter ma lampe, mon écran et mon ordinateur. Mais dès que je quitte mon bureau, bah, je l'éteins et ce qui fait que ça éteint tout le temps. On peut également utiliser des prises connectées et là du coup les programmer pour que la prise soit coupée automatiquement d'une certaine heure à une autre heure. Par exemple, nous on a mis une prise connectée au niveau de la télé, ce qui fait que entre 23h30 et 8h du matin, eh bien la prise est coupée et donc la télé ne consomme rien. Il y a bien entendu des petites astuces qui sont assez connues mais qui ne sont pas moins efficaces. Ça va par exemple être de privilégier des ampoules à LED plutôt que des ampoules à filaments, des néons ou même des lampes halogènes qui vont être beaucoup plus gourmandes en électricité. On va également pouvoir réduire la température du chauffage. Alors là, c'est clairement d'actualité, on en entend pas mal parler, mais chaque degré économisé ou chaque degré en moins sur le thermostat vous fait vraiment économiser beaucoup d'énergie. Donc du coup, nous par exemple, on n'a pas encore allumé le chauffage et on se dit qu'on n'allait pas le mettre à plus de 20 degrés. Là, actuellement, la maison, elle est aussi entre 19,5 et 20,5 degrés selon s'il y a du soleil ou pas. Donc clairement, c'est pas super chaud, mais après, on se couvre bien et dès qu'on commence à avoir froid, on va d'abord essayer de prendre le réflexe de mettre un pull ou un plaid par exemple avant d'allumer le chauffage.
Une autre petite astuce qui n'est pas forcément connue, c'est le fait d'éviter au maximum d'utiliser de l'eau tiède. Alors ça peut paraître un petit peu anodin, sauf qu'en fait l'eau tiède n'est pas forcément intéressante d'un point de vue consommation énergétique. Il n'y a pas de mal en tant que tel à utiliser de l'eau chaude si on en a besoin, mais en fait l'eau tiède, elle n'est donc ni chaude ni froide, elle va pourtant consommer beaucoup d'énergie puisqu'elle en consommera autant que si vous utilisiez de l'eau chaude, puisqu'on va appeler l'eau chaude au niveau de la chaudière ou du ballon d'eau chaude, alors qu'au final, eh bien, l'eau qu'on aura ne sera pas spécialement chaude. Donc c'est vrai qu'il faut quand même réfléchir à pourquoi on utilise de l'eau tiède. Et par exemple, quand on se lave les mains, eh bien en fait, le temps qu'on se lave les mains, si on a sélectionné eau chaude, eh bien en règle générale, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je referme le robinet et l'eau a à peine commencé à chauffer. Donc au final, autant rester directement sur eau froide, ça consomme moins d'énergie et dans tous les cas, l'eau qu'on aura sera quand même froide. Et la dernière petite chose qui est assez connue mais que je voulais quand même rappeler, c'est que si vous avez un forfait heure pleine, heure creuse, eh bien c'est d'essayer de faire tourner au maximum les appareils gourmands en électricité la nuit afin d'avoir le tarif le moins cher, que ce soit la machine à laver ou encore le lave-vaisselle. Après, si vous êtes comme nous et que vous avez la chance d'avoir des panneaux solaires, eh bien nous c'est l'inverse, il vaut mieux qu'on fasse tourner les appareils la journée quand le soleil fournit l'électricité à la maison et que ça consomme le moins possible et qu'on vienne le moins pomper sur le réseau. Donc là ça dépend vraiment de ce que vous avez, mais c'est quelque chose à garder en tête. Je passe maintenant à la seconde main qui est devenue beaucoup plus répandue et accessible et qui permet de faire de vraies économies tout en protégeant la planète puisqu'elle réduit la production de nouveaux produits. En ce qui nous concerne, on a clairement adopté ce mode de consommation, on achète énormément de choses de seconde main et dans plein de catégories. Par exemple, en ce qui concerne les vêtements et les chaussures, on n'a quasiment pas acheté de vêtements ou de chaussures neuves depuis au moins 2-3 ans. On trouve tout d'occasion et il existe un large choix de sites, notamment de sites en ligne, pour trouver des vêtements ou des chaussures d'occasion. Vous n'êtes pas sans connaître Vinted, je pense. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. On peut également trouver des vêtements d'occasion dans des vide-greniers, sur des vide-dressings, même chez Emmaüs. On en trouve vraiment partout maintenant et ce sont en général des produits qui sont en très bon état. On a vraiment accès à un large choix et ça permet de faire de vraies économies. On peut également acheter du linge de maison de seconde main, c'est un petit peu moins fréquent et pourtant on en trouve tout autant, que ce soit des serviettes de douche, des draps ou encore des torchons. Il y a ensuite bien évidemment les livres. Alors en ce qui me concerne, je n'ai pas acheté de livres neufs depuis de nombreuses années. J'en trouve beaucoup soit sur Vinted ou alors sur des sites comme Momox ou Recycle Livre. Il y a un large choix même sur les vide-greniers, il y a des magasins même en ville spécialisés dans les livres d'occasion. Il y a vraiment moyen de trouver des livres qui soient même très récents et qui soient vendus d'occasion. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a un livre qui est sorti au mois d'octobre, littéralement il y a quelques semaines, et qui est déjà disponible sur Vinted. Donc, puisque du coup je l'ai acheté pour un cadeau de Noël, et donc du coup on peut vraiment trouver de tout. Il y a également tout ce qui va être meubles. Alors là, les meubles, tout comme les voitures d'ailleurs, c'est quelque chose qui est un peu plus répandu et on a plus l'habitude d'acheter des meubles d'occasion. Mais là, voilà, sur Le Bon Coin par exemple ou sur le site comme Gens de Confiance, on trouve vraiment plein de choix de meubles d'occasion. Les meubles sont en général en très très bon état si les gens en prennent soin et ça permet là encore de faire de vraies économies. Et le dernier objet ou type d'objet qu'on achète aussi régulièrement d'occasion, ou plutôt devrais-je dire reconditionné, c'est tout ce qui va être électroménager ou électronique. On achète quand même pas mal en reconditionné. C'est vrai que là, moi, je suis un petit peu moins enclin à acheter d'occasion, puisque ce sont des produits qui sont donc électriques ou électroniques, qui vont donc avoir une garantie si on passe par un service de reconditionnement. Et donc, du coup, ça permet d'être un petit peu plus, on va dire, serein vis-à-vis de la durée de vie du produit. Mais voilà, en ce qui nous concerne, on a acheté par exemple notre machine à laver en reconditionné, notre robot de cuisine en reconditionné, mon ordinateur en reconditionné. Donc il y a quand même pas mal de choses qu'on peut acheter en reconditionné qui sont tout aussi efficaces et qui vont quand même coûter moins cher tout en générant moins de déchets pour la planète. Alors ensuite, on peut faire des économies sur la nourriture. Par exemple, si vous faites vos courses en supermarché, et je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, puisque j'avais fait un petit sondage et vous êtes à peu près 70% à encore faire vos courses en supermarché, eh bien, il y a de plus en plus de magasins qui vont proposer des rayons anti-gaspi ou zéro gaspi et qui vont en fait proposer des produits avec des dates limites de consommation courtes, voire même des fois périmées, à des prix beaucoup plus abordables avec des tarifs allant de moins 20 à moins 50%.
pour des produits qui sont encore bons à consommer, mais voilà, la date de péremption est quand même passée ou plus courte. Donc du coup, ça reste un moyen de faire des économies et ça reste intéressant. Il y a aussi tout ce qui va être panier en gros, comme par exemple les applications Too Good To Go ou Phoenix, qui vont proposer de récupérer les invendus de petits artisans, de petits commerces. Par exemple, une boulangerie qui va vendre 3 baguettes au prix d'une en fin de journée, parce que bah, si elle ne les a pas vendues, elles vont être jetées. Pareil pour les primeurs, il y a des restaurants qui font ça aussi. Ou des fois voilà, ils ont produit en grande quantité et à la fin de la journée ils ont des produits qui ne sont pas encore vendus. Donc ça reste très intéressant, et si vous voulez faire vraiment attention à votre budget alimentaire, eh bien n'hésitez pas à regarder ces applications, on peut vraiment trouver de bonnes affaires. Et enfin, il y a également l'astuce de faire ses courses en ligne sur des sites spécialisés, comme par exemple le site de La Fourche. Je vous ai fait une vidéo dédiée il y a quelques semaines sur la façon dont j'organisais mes repas, et notamment sur le site La Fourche, qui est donc une épicerie bio en ligne, qui permet de faire de vraies économies, puisque on a donc accès à des produits qui ont entre moins 20 et moins 50% de réduction. Et en fait, sur le portail du site, ça nous montre en fait les économies cumulées que l'on a réalisées. Et en ce qui me concerne, en un peu moins d'un an, eh bien, j'ai économisé 500 €, ce qui représente quand même plus d'un mois de course. Donc ça reste assez intéressant. Et là encore, ça permet de faire des économies sur des produits de qualité. Et enfin, la dernière catégorie sur laquelle on peut faire des économies, ça va être le transport. Alors déjà, on peut essayer de favoriser au maximum la marche ou le vélo, qui ne consomment absolument rien et qui sont complètement gratuits. On peut également favoriser les transports en commun, surtout si on habite en ville. Alors ça va peut-être coûter un peu plus d'argent selon où vous habitez, puisque ben, toutes les villes ne proposent pas les transports en commun gratuits, mais ça permet quand même de, voilà, de faire des économies et de ne pas avoir, par exemple, d'essence à payer ou d'assurance voiture. Il y a ensuite le covoiturage, que vous soyez conducteur ou passager et que celui-ci soit ponctuel ou récurrent, puisque voilà, le covoiturage est devenu de plus en plus répandu, notamment les covoiturages ponctuels sur les longues distances. Avec le site notamment Blablacar, c'est devenu beaucoup plus facile et ça permet de faire de vraies économies, qu'on soit conducteur ou passager d'ailleurs. Et surtout, ce qui va être covoiturage régulier, donc pour le trajet domicile-travail, eh bien c'est quelque chose qui est en train de se populariser et on en trouve de plus en plus. Blablacar propose aujourd'hui une application dédiée à ça. Il y a aussi l'application Klaxit. Et on peut en fait facilement trouver des trajets de personnes qui habitent pas très loin de chez nous et qui travaillent pas très loin de notre bureau. Et ça permet en fait, bah, sur la durée, de faire de vraies économies. Donc voilà, j'ai fait le tour de toutes mes astuces pour faire des économies tout en protégeant la planète. Alors ça fait quand même pas mal de choses, mais comme vous avez pu le voir, ce sont beaucoup de petits gestes simples, des petits changements d'habitude qui en soi ne vont pas chambouler votre vie, mais qui pourtant vont avoir un réel impact sur le portefeuille. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous aider, vous donner quelques idées. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye !